Salut à toutes et à tous, je suis Kim. Vous suivez la seule émission télévisée réalisée et produite par une seule personne, moi. Alors je vous invite à suivre ce reportage. Hier, c'était les élections et la guerre. On vivait dans le chaos total. Les élections 2010, c'était plus de 3000 morts et de nombreux mutilés pour rien. Le pays était tombé dans la chienlit. Beaucoup de chiens se promenaient dans le désordre total et sans propriétaire. Mais tout cela, c'était hier. Aujourd'hui, nous avons vaincu nos vieux démons d'hier qui se sont retrouvés chez nos voisins. Et nous avançons résolument vers l'émergence. Il faut que tu vives, il faut que je vive. Alors, oui pour des élections libres et apaisées. Encore une fois, oui pour les élections libres et apaisées. S'il y a des personnes qui sont bien placées pour souhaiter le calme au pays après les élections, c'est bel et bien les victimes de guerre. La guerre, c'est sauvage, c'est mauvais. Hé, hey, toi, en bas, par ici. La guerre, c'est sauvage, c'est mauvais, c'est absurde. On n'en sort jamais comme on y est entré. Au cœur de tout, leur avis a compté dans la balance. Ils ont été les témoins majeurs de la crise électorale passée, les leaders politiques. Le parti au pouvoir avec M. Konado. Eh bien, nous avons été en prison dans un hôtel de la place pendant des mois. Et on a dû changer de garde-robe les mois qui ont suivi. C'est pourquoi nous avons décidé de nous unir plus que jamais pour rattraper les poids perdus. Alors, oui, pour des élections libres et apaisées. Merci. Monsieur du parti ultra-minoritaire du parti au pouvoir, qu'en dites-vous? Rien. Nous, on voit pas. On nous connaît pas. On peut dire quoi? Sauf que je salue ma douce et tendre épouse. Et nous prenons l'égalité de voix dans ce parti unifié. Alors, oui pour les élections apaisées. Chauffeur! Mais il n'a qu'un problème, c'est nous là. Tiens, j'étais sur la route. Mes reportages vont me rendre fou de... Je cherche un leader du parti de l'opposition. J'approche discrètement de l'un des leaders du principal parti de l'opposition. Chut, doucement pour éviter qu'ils se mettent à courir. Ils sont très souvent raflés. Je suis Monsieur Fus. Il faut dire qu'après cette crise, il y a aussi une autre crise post-électorale pour nous autres. C'est-à-dire qu'on a été secoués aussi après la crise post-électorale. Nous allons aux élections cette année pour ne plus vivre cela. Et je dois vous dire quelque chose. Éteignez vos caméras. C'est bien. Oui, vous pouvez parler. Nous étions obligés de cohabiter avec une nappe de destruction massive du gouvernement. Des moustiques gros comme mes doigts. En tout cas, nous ferons tout pour reprendre le pouvoir. Tout, vous dites, Monsieur Affus. Non, hein, ce n'est pas mon corps qu'ils vont prendre pour nourrir leurs moustiques là. Désolé, Monsieur Affus, la caméra n'était pas éteinte et toute la nation a pu vous voir et vous entendre. Alors oui, pour les élections libres et apaisées. Et j'oublie, transparentes. Alors, nous voyons le leader du parti PPM. Entendez, bouffer, manger, c'est mieux. En tout cas, si quelqu'un gagne, nous on fera tout pour bouffer avec lui. Manger est mieux que la guerre. On espère avoir au moins 100 voix pour donner à celui qui sera au pouvoir. Alors, oui aux élections libres et apaisées.
les leaders religieux ont été eux aussi témoins de cette crise. Alors, Monseigneur, un mot pour les élections libres et apaisées. Nous avons vu nos lieux de culte baisser conséquemment de fidèles et vous savez que l'Église vit d'offrandes et de dîmes de nos fidèles. C'était une véritable crise financière au niveau de l'Église nationale. Ma prière est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit coordonnent cette élection afin qu'elle soit libre et apaisée et qu'elle nous apporte l'émergence. Après les élections passées, les hommes ont été tués. Des lieux de culte comme des mosquées ont été brûlés. On ne veut plus voir ça en Côte d'Ivoire. Moi, je veux la paix. Si toi aussi tu veux la paix, tous nous voulons la paix. Alors lui, pour des élections libres et apaisées. Au premier rang de la crise, les corps habillés. Garde à bout, présente-toi. Je suis le commandant Sekuko, premier grade de l'armée solaire. Et ça veut dire quoi? C'est moi qui prends lance-roquette là. Que penses-tu des élections 2015? Vraiment, la crise passée, on a vu tout. Des bébés qui couraient là pour fuir la guerre et des vieux qu'on a abandonnés au bord de la route. Le commandant voulait dire que des bébés ont été abandonnés au bord des routes et des vieillards obligés de fuir la guerre. Allez le cœur, c'est ça. Les femmes, elles ont tout fourni à leurs maris et à leurs enfants pour qu'ils puissent survivre. Je reçois Madame Roga à ma caméra. En tout cas, nous, on n'est pas prêt pour aller s'inscrire forcé au CPN. CPN? C'est pas dans ma bouche que tu vas manger ton piment, oh! On fera tout pour voir notre belle nation bien fleurir, avec nous les femmes au pouvoir. Et si c'était le contraire, madame? Ce qui est sûr, la guerre ne sera pas notre mot de fin. Alors, oui pour les élections libres et apaisées. Et nous avons le représentant des enfants de Côte d'Ivoire. Kofi Nathan va nous traduire ce que le bébé a dit. Il dit que la guerre c'est pas beau. Nous les enfants nous avons peur. La guerre c'est pas beau. Les enfants nous voulons la paix. Donnez-nous la chance de grandir. Avec nos parents vivant à côté de nous. Oui, pour les élections, libres et apaisées. Mes chers amis, nous avons oublié un leader charismatique. Il est le plus grand représentant du plus petit parti politique qui se présente aux élections cette année. Monsieur Tigbaza. En tout cas, nous sommes en train de nous organiser pour recevoir le futur président de ce pays. Trop c'est trop. Nous aussi on veut bouffer aussi. Et si le futur président était vous? Tu plaisantes, non? Mais on va s'apprêter pour me recevoir dignement. En tout cas, mon village et moi avons décidé d'accepter le verdict des urnes. Peu importe le gagnant, nous on veut manger avec lui. Et je profite de cette lucarne pour saluer ma maîtresse. Non, hein? Il s'agit de ma maîtresse de CP2. Le porte-parole des déplacés de guerre. On dort en bas des draps, on dirait des enfants qui s'amusent. On ne mange plus de bon gaba du pays. Je veux rentrer au pays, mais où dormir? Je n'ai plus de maison. Donc oui, pour des élections apaisées.
le syndicat des pays étrangers en Côte d'Ivoire. Je suis le président Bamba Ali. En tout cas, on a beaucoup souffert de leur bonbon passé. Aujourd'hui, on n'a même pas prêt à donner de l'argent aux perdants pour qu'ils ne parlent plus. On veut l'élection libre et apaisée en Côte d'Ivoire. La guerre, c'est sauvage, c'est mauvais, c'est absurde. On n'en fait jamais pour attraper les problèmes. Alors, oui, et le salut magique est un jour. Et nous prenons les qualités de voix dans ce parti unifié. Alors, oui, les élections, la balance, l'élection, c'est là. Je dois vous dire quelque chose. Vous donnez à ce que je suis là pour moi. Alors, oui, aux élections libres et apaisées. Allez, que l'église en vie d'offrande et de dîmes de nos fidèles. C'était une véritable crise financière. On est... Allez, le cœur, c'est ça. Après la direction partie, les hommes ont été tués. Au lieu de plus de temps de monter, on était tués. Allez, on voit ça en face. On vous passe. Aujourd'hui, on n'a même pas prêt à donner de l'argent, perdant pour qu'il ne parle plus. On veut une élection libre. Nous, on veut manger avec vous.